tout le monde. Imbattable à Kamalondo, les Corbeaux du tout-puissant Gleyber Mazembe ont écrasé les kamikazes de Lubumbashi Sport par la note de 3-0 le dimanche 10 septembre. Mazembe a bien entamé les matchs en mettant les faits dans les camps adverses avec une attaque composée de Joël Beya, Mercé Ngimbi et Cheik Fofana. Presque un match box-to-box, c'est à la 32e minute de jeu que Joël Beya a déverrouillé la marque d'une reprise des têtes imparables. Mais tout le monde, le corner est tiré et la tête de Joël Beya. 1-0, l'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Au retour, les hommes de Lamine Ndiaye ont maximisé les occasions. 55e, le jeune défenseur Magloire Ntamboué Kalonji signe le but du 2-0. Coup sur coup, Joël Beya inscrit son doublé à la 57e. Michael Beya qui lâche ses ballons. Quel double parade! Il y aura but! Totalement perdu dans les matchs, Lubumbashi Sport n'a pas pu faire grand-chose. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. 3e succès des Corbeaux en Ligue nationale de football.